Bon, tout d'abord, je vous présente notre conducteur. Il s'appelle Francisco. Il y a beaucoup de rues, des avenues qui sont fermées le dimanche pour faire des activités sportives. Donc si on avait fait la visite de Santiago aujourd'hui, ça aurait été plus difficile parce qu'il y a beaucoup de rues interdites pour ces voitures. Début mars, la population augmente jusqu'aux 700 000 habitants à Viña del Mar. C'est incroyable. Il y a des bouchons plus importants qu'à Santiago. De Valparaíso. Il y a 15 régions au Chili. Valparaíso est capitale de la cinquième. Qui est présente tous les matins dans la côte centrale du Chili, surtout à Viña del Mar et Valparaíso. C'est pour ça que les ciels sont couverts, le matin et se dégagent l'après-midi à partir de 13h environ. Vient de l'espagnol, bien sûr, ça veut dire maison blanche. À droite, on commence à voir le vignoble. Le Veramonte s'appelle. Il y en a 42 à Valparaíso, mais il y a 6 qui font partie du quartier patrimoine UNESCO depuis 2003. Et nous, bien sûr, nous allons découvrir 2 collines qui font partie du patrimoine UNESCO. Voilà, on attend au maximum aujourd'hui de 22 degrés. Et non, maintenant je crois qu'il y a 15 environ parce que la minimum était 13 aujourd'hui. Laissez-moi regarder sur internet. Aujourd'hui, Viña del Mar 13. Et on attend cet après-midi 23. Oui, Santiago est plus chaud en fait. Mais aujourd'hui, on peut dire que les riches, les classes privilégiées sont parties de Viña del Mar. Ils passent ses vacances dans d'autres petits villages. Mais encore aujourd'hui, c'est la ville touristique plus importante. Mais le tourisme est surtout étranger, comme je vous disais, argentin et quelques chiliens. Ici, c'est un bon business acheter un appartement les bâtiments qu'on voit ici, il y en a partout, ces grands bâtiments. Moi je ne l'aime pas trop en fait, je le trouve. On traverse maintenant le fleuve Marga Marga. On appelle Viña del Mar, les Chiliens, la ville jardin. Parce que c'est plein de fleurs et de parcs partout. Aussi, à la fin février,
Merci Francisco. Bon, ici vous voyez les immeubles, comment vous dites, pardon, immeuble moderne. C'est la caractéristique de Viña del Mar. Sera notre premier arrêt. C'est juste pour regarder l'océan. Hein. Si vous voulez vous rapprocher aux vagues, je vous conseille de faire attention. Hein. Une question. Je sais qu'il y a une partie de notre groupe qui fait une extension Île de Pâques. À Viña del Mar, et il y a à Moai les célèbres statues, sculptures de l'île de Pâques. Thank you.
affecté par les derniers. Comme je vous disais, c'est tout Vergara ici, le fondateur de Viña del Mar, la Que Vergara. Et avant, on l'utilisait pour, parce qu'il y avait des industries de sucre ici à Viña del Mar. Ça n'existe plus. La Que est utilisée comme promenade touristique. Et maintenant, à gauche, les châteaux Ross aussi. Une famille très riche de salpêtre, la famille Ross. Bien, nous allons descendre, l'horloge de fleurs se trouve à gauche. Ça vous rappelle rien, ça ? Oui, à la... Parce que tout à l'heure, vous étiez en train de... Alors, ici, par chez nous, c'est le fond. Oui, à la Suisse. On l'a découvert l'année 2014 dans quelques cas de corruption, malheureusement. On se croyait le Chili un pays propre où il n'y avait pas de corruption. Tous les autres pays de l'Amérique latine disaient « Oh, le Chili, ça n'arrive pas ». Mais bon, ça est arrivé. Avant de continuer, je vous montre Francisco tourne à droite. Et à gauche, vous allez voir les bâtiments du Congrès national. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le Congrès, les sénateurs et députés, et le Congrès se trouve à Valparaíso. C'est là les bâtiments, ici à gauche. Nous sommes entrés à l'avenue Pedro Mont, une des avenues plus importantes de la partie plate de Valparaíso. Bien sûr, c'est à cause de l'immigration européenne que la ville a reçu pendant tout le 19e siècle. Uniquement 6 collines ont été déclarées patrimoine UNESCO. Nous ne sommes pas encore dans la zone UNESCO. Malheureusement, il y a très jolie architecture du 19e et 20e siècle, mais vous voyez que beaucoup des bâtiments ne sont pas bien entretenus. Voilà la place Victoire, à gauche. De l'arc-en-ciel de Valparaíso, on va les voir bientôt. Vous voyez que les maisons sont peintes de différentes couleurs. Je ne sais pas si vous connaissez Buenos Aires, il y a une ressemblance avec les quartiers de la Boca. Nous ne sommes pas encore dans les collines patrimoine UNESCO, mais toutes les collines de Valparaíso ont un charme unique.
voyez la maison couleur cuivre là? Et ça, c'est la maison de Pablo Neruda. Il avait trois maisons au Chili. Il y avait une maison à Valparaíso. Elle s'appelle La Sebastiana. Voilà, à côté de la peinture, à gauche. Voilà, c'est une maison à 5 étages qui offre une belle vue sur les ports. Il utilisait sa maison à Valparaíso plutôt pour faire la fête. Et ce sont surtout des organisations animalistes qui s'en occupent de le nourrir, par exemple. Nous allons voir plusieurs belvédères, mais notre premier arrêt à Valparaíso sera ici, le belvédère Bismarck, comme les politiciens allemands. Il y a plusieurs appellations européennes à Valparaíso, bien sûr à cause de l'immigration. Voilà, nous allons descendre. Et dans le menu où il y a Bon, nous allons bientôt nous arrêter sur une place qui s'appelle San Luis. Là, on va dire à tout à l'heure, Franck. Les collines que nous allons découvrir ne sont pas dangereuses du tout. Ici, nous sommes arrivés au quartier UNESCO. Nous allons découvrir deux collines. La colline Heureuse, Cerro Alegre, et la colline Concepción. Les deux collines sont UNESCO. Donc vous pouvez laisser n'importe quoi. Il y a le village de Conjure. Non.
Et au Chili, en 1865, et la séparation de l'Église et l'État, je l'ai dit, 1925. C'est bon, tout le monde est là. On y va. C'était que l'Orba, c'était pas les IUFM, c'était après, ça, c'est pareil. Oui, hein? C'était la même chose, mais moi j'étais en école même... normale. Ça a changé de nom. Bon, je vais dire le reste à l'écoute complet, mais quand même, quand nous, c'est pas dangereux non plus, mais quand même, restons toujours ensemble et faites attention à votre appareil photo. Mais ils en voudront.
non pas. Mais certains, c'est une vieillerie. Si vous pouvez mettre, oui, voilà, si vous pouvez mettre votre sac devant vous, ça serait. Oui, c'est une vieillerie, là, il dort au grand pas. Il veut plus moderne. Tous négocient, là. Oui. Tous négocient. Moi, j'ai parlé avec le chauffeur, Francisco, et quelqu'un entre vous m'a demandé quelques minutes pour acheter des cartes postales ou du coin d'artisanat. Il y a un marché d'artisanat là, à droite, toilette aussi, et pour 300 pesos, 50 centimes environ. Donc, je vais vous donner. Au centre-ville de Santiago,
à gauche encore le marché central où nous sommes venus hier pour déjeuner. Allez, c'est important de vous dire que demain je ne vous verrai pas. Et parce que j'ai un autre service, c'est le seul jour que je ne vais pas travailler avec vous en fait à Santiago, parce que vous rentrez à Santiago le 23 mars. Le tout c'est bien manger le matin, vous avez toujours quelque chose. Elle a dit.